Στο Βέλγιο τα αποκαλούν EPPG από τα αρχικά τους. Αν μεταφράσουμε, σημαίνει δημόσια ιδρύματα για την προστασία των νέων και αποτελούν το βασικό κορμό για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, είτε πρόκειται για πλημέλημα, είτε για πολύ πιο σοβαρές παραβιάσεις του νόμου. Κάτι που για τους ανήλικους η βελγική νομοθεσία το ξεχώρισε. L'idée était de dire que les jeunes sont quand même pas encore des adultes, qu'ils ont des besoins spécifiques et quand ils font des choses qui vont à l'encontre de la loi, qu'on ne peut pas forcément les traiter comme un adulte, qu'on ne va pas regarder que le fait, mais aussi sa personne, qui il est, l'environnement dans lequel il grandit surtout. Υπάρχουν 6 τέτοια ιδρύματα στα γαλλόφωνα διαμερίσματα της χώρας. 5 για τα αγόρια και 1 για τα κορίτσια. Στην ουσία πρόκειται για κρατητήρια είτε ανοιχτού είτε κλειστού τύπου και είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων αυτός που δίνει εντολή για τον εγκλεισμό ενός παιδιού και για πόσο καιρό. La première fois, c'est moi qui ai demandé à ma juge. Je me rappelle avoir supplié d'aller en IPPJ pour pouvoir faire tout comme tout le monde. Parce que tout le monde était rentré en IPPJ. Ils parlaient tous de l'IPPJ. Donc moi aussi, je voulais voir ce que c'est. Je voulais rentrer dans le truc. Η αποστολή των IPPJ είναι η επίτευξη του σοφρονισμού των ανηλίκων, η συνέχεια της εκπαίδευσής τους και η επανένταξή τους στην κοινωνία. Στις δομές ανοιχτού τύπου, οι έγκλειστοι έχουν τη δυνατότητα επισκέψεων και επικοινωνίας με την οικογένειά τους. Κάτι όμως που δεν είναι προφανές για όλους. J'ai une mère mais vraiment toxique enfin qui à un point où ils veulent pas que elle ça enfin elle elle a des interdictions de contact mais moi pas. J'ai pas de papa et du coup ça j'ai un frère. Et donc là ça buguait, ça bloquait parce que j'ai quand même un frère, j'ai quand même de la famille. Mais mon frère il était au Maroc, enfin voilà, c'est pas là-dessus que je vais me reposer quoi, lui il n'a pas les armes pour que je me repose sur lui et donc j'ai réussi moi à avoir 5 appels amis. Mais quand t'as pas d'amis, quand t'as pas de famille, quand t'as personne à qui appeler, t'appelles pas, tout simplement. Et j'ai déjà vu des filles qui n'appelaient pas et ça me faisait vraiment mal au cœur. Genre t'as juste 10 minutes d'appel et la personne à qui appeler, ça fait vraiment mal au cœur. Je suis rentrée 13 fois en IPPJ. Je ne suis jamais partie en section fermée. Il y a des filles, elles sont parties 2 fois en IPPJ, elles se sont tapées des 1 an en section fermée, où leur premier placement c'était en section fermée. Et genre, c'est, pour moi c'est une forme d'inégalité. Τα τμήματα κλειστού τύπου είναι πιο αυστηρά, αλλά και πάλι διαφέρουν από τις φυλακές. Μάλιστα κάποια παιδιά, παρά την απομόνωσή τους, δείχνουν να τα έχουν ανάγκη. En fait, je connaissais pas trop ce milieu-là, on va dire. Donc j'ai été, en fait, ça a été très rapide. C'était du jour au lendemain, tac, 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 tac. C'était un endroit de protection, en gros, pour moi, parce que bon, j'étais mineure et qu'il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de moi, on va dire, puisque on peut pas laisser des mineurs sans parents ou sans grands-parents dehors ou des trucs comme ça. En fait, c'était juste que tu sens un peu que t'es coupé du monde parce que bon, t'as pas accès au téléphone, tu vois, tu sors pas beaucoup. Ben moi, pour ma part, du coup, j'avais pas de visite. Il y en a, ça peut leur faire du bien d'être écarté un peu de tout pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent se poser. Peut-être qu'à l'extérieur, ils ont pas, tu vois, le temps de se retrouver face à eux-mêmes. Τα περισσότερα παιδιά που πέρασαν από εδώ ονειρεύονται να βγουν από τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Αλλά η οικονομική κρίση είναι ίδια. Το οικογενειακό περιβάλλον δύσκολο και φοβούνται το μέλλον. Alors moi, je veux juste une situation stable, la vérité. Bah du coup, un logement. Et puis après, de là, je pense que le logement serait, tu vois, ça qui m'apaiserait un peu. Et puis de là, faire des projets, je sais pas, peut-être je travaillerais, peut-être je ferais des formations, peut-être, tu vois. On ne sait pas comment ça peut se passer la vie, tu vois. Donc je ne saurais pas me projeter comme ça, mais moi, ce que j'aimerais, c'est... Voilà, une vie plus stable en tout cas. Donc on y retourne, c'est que c'est comme, voilà, on se répète, c'est plus possible d'en sortir quelque part. Et donc voilà, il y a différents éléments qui font en sorte qu'une fois qu'on est pris dans le système judiciaire, ça devient extrêmement compliqué d'en sortir. S'il y a des mineurs qui m'entendent, enfin, qui vont m'entendre plutôt, ben, faut pas faire les mêmes conneries que nous. Parce qu'au début, c'est l'IPPJ, puis c'est la prison. La prison, la première fois que tu rentres, c'est des petites peines, mais après, c'est des grosses peines. Et voilà, la justice, elle n'est pas équitable.